Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va parler de bouquins et plus particulièrement, d'un bon plan bouquin. Je change un petit peu de décor parce que voilà, il fait bon et j'avais envie d'être dehors. Donc là, je suis par terre sur la terrasse. J'espère que niveau son, ça va aller, que vous allez m'entendre. Il y a mon petit bébé qui vient faire un petit tour. Oh bébé! Oh Gina! Et regardez qui c'est qui vient vous dire bonjour, mon bébé. Oh oui, il est curieux, alors à chaque fois que je fais un truc, il vient. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un bon plan bouquin, puisque la dernière fois, je suis allée chez EasyCash. Et vous savez que là-bas, c'est des produits d'occasion, en fait, qui revendent. Donc, vous-même, vous pouvez revendre des produits et puis en acheter. Et du coup, moi j'avais envie de m'acheter des bouquins, donc je me suis dirigée dans le rayon bouquins et j'ai trouvé mais plein de petites pépites à des prix mais ridiculement bas, enfin vraiment très accessibles. Et voilà, donc j'avais envie de vous en faire part et j'ai acheté une douzaine de livres je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 livres, voilà. Donc là j'en ai déjà une petite pile et j'ai encore une énorme pile qui m'attend juste ici. Donc bah, je vais commencer par vous parler un petit peu des bouquins 1 à 1. J'ai trouvé Part avec lui d'Agnès Ledig dans la collection Pocket pour un prix de 2,99€. Donc derrière c'est pas du tout écrit le prix de base, mais bon en général les Pockets c'est entre 6 et 8 euros. J'ai pris ce bouquin là parce que j'ai lu juste avant Le Bonheur d'Agnès Ledig également. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cet auteur, comment elle écrivait. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu la suite, enfin c'est pas la suite du bouquin, mais bon, une autre de ses œuvres, et surtout qu'on en entend beaucoup parler sur BookTube. Donc voilà, 2,99€, ça valait vraiment le coup, pardon. Je me suis pris un autre bouquin, donc cette fois-ci c'est une, je sais pas si c'est une trilogie, bon bref, c'est une suite de deux livres, je sais pas si un troisième livre, il me semble pas. Et c'est un bouquin qui est sorti il y a très longtemps et que j'avais jamais acheté. Il me semble qu'il était sorti en même temps que les livres de chez, enfin les livres de Twilight. C'est 16 lunes. Voilà, là je l'ai payé 2,99€ encore une fois. Et le prix de base était à 8,90€. Donc encore une fois, j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir pu trouver des bouquins fantasy comme ça. Donc lui c'est de la collection Le Livre de Poche Jeunesse. Et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien également de ce bouquin. Donc voilà, j'ai pas hésité à le prendre pour 3€. Et il y avait la suite, donc tant qu'à faire je l'ai prise. Donc 17 lunes. Donc l'auteur c'est Camille Garcia et Margaret Stoll. Et celui-ci pareil, il coûtait à la base 18€ parce que celui-ci il est en plus grand format. Lui, il est en livre de poche, celui-ci. Voilà. Et celui-ci, c'est la collection Black Moon. C'est ça? Non, Hachette Livre. Rien à voir. Hachette Livre, donc c'est le gros format, en fait. Donc celui-ci coûtait 18€. Je l'ai eu à 2,99€ également. Donc vraiment ravie. Vous imaginez les économies que j'ai pu faire. Donc vraiment, deux petits livres pour 6€ au lieu de 18 plus... 9, voilà, faites le calcul, ça fait 27 euros pour 6€. Alors ensuite, j'ai trouvé Orgueil et Préjugés de Jane Austen pour un prix de 2,99€. Là, l'étiquette est collée sur le prix, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, bref, je pense pas que ce soit un livre qui coûte bien cher, étant donné que c'est un livre plutôt vieux. Voilà, il n'a pas été écrit récemment, quoi. Et en fait, c'est un livre que je ne voulais pas forcément acheter à la base, je n'avais pas l'intention de lire. Mais en fait, en lisant beaucoup de romances adultes, les auteurs font souvent référence à ce bouquin là en fait dans leur récit. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu ce que c'était que cette histoire, même si je crois, il me semble bien que j'ai vu le film, s'il y a un film qui est sorti, mais je crois bien que j'ai vu un film qui s'appelait Orgueil et Préjugés, mais je me souviens plus du tout. Et c'est soi-disant l'œuvre romantique incontournable, etc., etc. Donc voilà, pour 2,99€ encore une fois, je ne me suis pas privée. Ensuite, j'ai trouvé les 5 tomes de After de Anna Todd. Alors étant donné que j'avais déjà les deux premiers en bouquin, les deux suivants sur mon e-book, sur ma tablette là, ma tablette maliseuse, voilà.
Voilà, j'ai trouvé celui-ci, je n'avais absolument aucune idée qu'il y avait un numéro 5, en fait, je ne savais absolument pas. Pour moi, j'étais en train de lire le 4, et j'ai fait une pause d'ailleurs dans celui-ci, parce que à force, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais bon, j'ai fait une pause, et je pensais qu'après le 4, c'était la fin. Et quand j'ai vu ça, bah, j'ai été étonnamment surprise, donc bah, je l'ai acheté, parce qu'il coûtait 2,99€, et sur la liseuse, c'est bah, entre 12 et 13€, je crois. Donc voilà, il n'y avait pas photo, je me suis jetée dessus. Et il y avait les 5 tomes en plus, donc si vous vouliez lire la collection intégrale, et ben vous auriez pu l'acheter. Ensuite, deux bouquins dont j'en ai entendu énormément parler, c'est la trilogie, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça parce qu'il y a 36 milliards de livres, la sélection de Kerakas. C'est des bouquins de chez Robert Laffont de la collection R. Et en fait j'en ai entendu énormément parler sur BookTube, comme quoi c'était vraiment des livres vraiment géniaux. Donc bah, je les ai pris, il n'y avait que ces deux là. Donc j'ai pris la sélection, donc le premier, et l'héritière qui est le livre 4. Donc il n'y avait que ces deux bouquins là, mais pour le prix je me suis dit autant les acheter maintenant, parce que je sens que je vais aimer, enfin c'est un livre qui peut potentiellement me plaire, et comme ça au moins j'aurais eu deux bouquins à prix vraiment minime, alors que j'aurais pu les acheter pour tous au prix fort quoi. Donc quitte à avoir deux livres déjà un petit peu plus réduits, je les ai pris, même si j'ai pas la suite quoi. Et les deux, trois, enfin les livres qui restent, je les achèterai si je les trouve sur Easy Cash encore une fois, ou vraiment à prix fort quoi. Donc celui-ci, la sélection, je l'ai pris, il était à 4,99€ au lieu de 16,90€. Et l'héritière qui est le livre 5, je l'ai pris à 4,99€ également, et celui-ci il était à 17,90€. Donc voilà pour deux bouquins déjà d'une suite de bouquins. J'ai déjà fait pas mal d'économies, donc je suis plutôt contente pour ça. Ensuite, il y en a des bouquins, je vous préviens. Un livre de Catherine Pancol, Les yeux jaunes de crocodile. Alors ça c'est un livre que je vois depuis des années à la FNAC. Et j'en ai entendu beaucoup parler, et comme quoi c'était un livre bien, qu'il fallait lire, etc., etc. Et je sais pas, la couverture me tentait pas plus que ça. Le résumé derrière, je vais vous lire, il est pas plus accrocheur que ça non plus. Ce roman se passe à Paris, et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes. Celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous serons jamais, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge, mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent, de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Ce roman a obtenu le prix Maison de la Presse en 2006. Donc vraiment, soi-disant, enfin prix de la presse, voilà. Ça veut dire que c'est un bon livre, j'imagine. Mais voilà, j'avais jamais passé le cap. Donc, puis pour le prix, j'avais pas envie d'acheter un bouquin qui j'étais pas vraiment sûre d'avoir envie de le lire, etc. Et là, je l'ai trouvé. Il y en avait plein de ce bouquin-là. Je l'ai trouvé à 3,99€, donc un prix vraiment très très raisonnable. Et je me suis dit, allez, si vraiment c'est un livre bien, eh ben je le regretterai pas. Ensuite, je me suis pris trois bouquins de la même histoire. Donc c'est une trilogie, il me semble, également. C'est de Sophie Jomain. C'est Les étoiles de Nosehead. Donc là, j'ai le tome 2. J'ai le tome 1. Et j'ai le tome 3. Donc le tome 1, c'est Vertige, le tome 2 c'est Rivalité, le tome 3 c'est Accomplissement. Et c'est de l'édition J'ai lu. Donc voilà, des petits formats. À la base, ils coûtent 7,20€ chacun. Et là, ils coûtaient 2,99€. Donc encore une fois, des petites économies, c'est toujours appréciable. Et je crois que celui-ci, c'est que 3 livres, il me semble, hein, je crois. Et j'ai eu la chance de trouver bah, les 3. Donc j'ai pris les 3, parce que ça aussi c'est un bouquin, enfin c'est une trilogie dont j'en ai entendu énormément parler également sur YouTube, sur plein de filles qui disaient comme quoi il était vraiment bien. C'est une romance il me semble, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir commencer ces 3 petits bouquins, et je pense que ça c'est une lecture très agréable le soir. Et enfin, dernière petite trilogie, mais ça j'en ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas du tout s'il y a une suite également. J'ai pris 2 bouquins comme ceci. En fait, j'aimais bien les couvertures, alors c'est pour ça que je les ai pris. Puis pour le prix, pareil, je ne me suis pas priée. Donc, c'est The Mortal Instrument. Donc, The Mortal Instrument. Je vais vous montrer la couverture, ça sera plus simple.
Voilà, donc le premier livre, c'est La Cité des Ténèbres, et le deuxième, c'est La Cité des Cendres. Et je crois qu'il y a une suite, mais je n'en suis pas sûre du tout. Je vais regarder dedans, peut-être qu'ils le disent. Ah oui, il y a 4 livres. Donc, eh ben, j'ai trouvé le 1 et le 2. Et en fait, ça m'avait l'air plutôt intéressant. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Clarie n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clarie a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc voilà, ces bouquins, je les ai eus pour un prix de 4,99€ chacun. Et ils coûtent à la base 18,15€ chacun. Donc encore une fois, une grosse économie. Parce que ce sont des gros bouquins donc, de la collection, de l'édition Pocket Jeunesse. Et voilà, donc ce ne sont pas des formats poche, donc forcément c'est le prix fort. Et voilà, pour 5€, on va dire 10€ les deux, au lieu de plus de 30€, je suis plutôt ravie. Donc voilà. J'ai également acheté des livres, mais sur ma liseuse. Donc ça, je vous en parlerai prochainement parce que je les ai pratiquement tous lus. Donc je vais vous en faire une petite revue en fait des bouquins que j'ai lus pendant cet été. Et voilà, donc je voulais vous dire qu'au total, j'en ai eu pour 45€ pour 13 bouquins. Donc vraiment, vraiment, c'était une affaire en or, quoi. Sachant que en plus, à la base, j'en aurais eu pour plus de 50€, je crois 50,80€. Sauf que je me suis ramenée avec une pile de bouquins comme ça. Donc je leur ai demandé de me faire un petit prix en fait. Et elle m'a arrondi à 45€. Donc ça a été vraiment super sympa. Donc vous voyez que vous pouvez aussi négocier même dans des magasins comme ça. N'hésitez pas à demander quand vous voyez que vous prenez beaucoup d'articles. La moindre des choses, c'est qu'eux puissent éventuellement faire un geste commercial. Donc n'hésitez pas à demander, ça coûte rien. Enfin vraiment, vous n'allez rien perdre. Et vous pouvez que gagner justement. Donc voilà, moi j'ai demandé et au final j'ai eu 13 bouquins pour 45€. Donc vraiment super bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais retourner à mes lectures parce que j'ai une montagne de livres à lire du coup. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que votre rentrée s'est très bien déroulée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !